Salut, bienvenue dans un nouveau podcast de Paul le Crâne. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a un crâne, en fait on n'a pas de mâchoire inférieure, donc on peut pas parler. Donc du coup, je vais laisser la parole à l'autre con là-bas. Ouais, c'est vrai quoi, faut avouer, il est vraiment bizarre ce mec, hein. Tu trouves pas toi? Hein? Avoue. Merci Paul pour cette intro digne des plus grands, c'était génial, j'aurais pas fait mieux. Oh bah y'a pas de quoi. Ouais. Enfin bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes petits crânes. Alors tout d'abord, pour commencer et vous remémorer un petit peu la situation, j'avais fait des moules de ce petit crâne, dans ce moule-ci qui ressemble complètement à rien et qui a totalement jauni. Mais j'avais quand même réussi à faire deux exemplaires qui étaient plus ou moins bien réussis. Ensuite un troisième qui lui pour le coup est totalement réussi puisqu'il a toutes ses dents. Alors entre nous, j'aimerais juste revenir un petit peu sur le moule et vous expliquer pourquoi il n'a pas fonctionné comme il aurait dû, le bougre. C'est marrant, on dirait qu'il parle. Enfin bref, c'est parce que la matière que j'ai utilisée, c'est donc du latex pré-vulcanisé, quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant, et qui est en fait réalisé pour faire les masques dans le maquillage. Donc rien à voir avec les moules. Non, j'ai pas du tout utilisé le bon matériau. Mais qu'est-ce que t'es débile, Bruno? Maintenant, j'ai appris de mon erreur, je vais du coup commander le bon matériel pour pouvoir réaliser des moules de bien meilleure qualité. Bref, trêve de plaisanterie, revenons maintenant à mes petites créations. J'aimerais vous montrer comment je les ai décorées. Le premier qui du coup était complètement cassé au niveau de la mâchoire et avait des petites imperfections un peu partout, je l'ai tout simplement peint en noir avec du coup une bombe Sculpt et avec une deuxième bombe asperger le haut jusqu'à ce que ça dégouline et que ça fasse des coulures du coup en doré. Personnellement, je trouve le résultat plutôt sympa. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'un piaf m'a chié un caca doré sur la gueule. Ouais, t'as pas tort, Fred, quand même. Maintenant, le deuxième crâne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, oui. C'est un exemple d'un moule totalement raté. Il y a des fois où ça chie totalement dans la colle. Mais franchement, j'aime bien le résultat que ça fait. Donc voilà, je l'ai gardé. Il trône sur ma table de nuit depuis. Enfin bon, dans tous les cas, je compte le peindre lui aussi. Et je vous montrerai les résultats dans la prochaine vidéo. La suite. Le deuxième, qui quant à lui a une partie de ses dents, j'ai voulu lui faire une sorte de bandeau noir comme ceci. Inspiré de je ne sais pas trop quoi. Peut-être une personne aveugle ou un ninja avec un bandeau sur les yeux. Je ne sais pas vraiment. De quoi vient l'inspiration. Faut savoir que j'avais quand même envie de garder une sorte de gamme chromatique pour cette série de trois crânes, qui est donc le blanc, le noir et l'or. Mais alors en fait, ce crâne m'a tellement fait chier au niveau de la peinture, parce qu'il faut savoir en fait que pour la démarcation bien rectiligne entre le blanc et le noir, j'ai dû du coup mettre du scotch. Sauf que la surface du crâne était tellement lisse que la peinture accrochait davantage au scotch qu'au crâne. Du coup, ça écaillait toute la peinture et même si le rendu était plutôt pas mal, je n'arrivais pas à voir ce que je voulais. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait prendre beaucoup de retard pour cette deuxième vidéo concernant ce projet. Get yourself together and get up. À présent, petite question pour vous, cher internaute, à vous de me dire qui vous préférez entre Paul et, comment je l'ai appelé déjà, Fred, voilà. Veuillez interagir en commentaire. Alors à présent, le troisième et dernier crâne, qui est du coup plus simple au niveau de la peinture, en or et en blanc, je vous le montrerai plus tard dans une prochaine vidéo, puisqu'il n'est pas tout à fait terminé. Vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler, mais je vous montrerai plus tard. Allez, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo plus tard, concernant ce projet. Je ne sais pas quand, puisque du coup, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. En attendant, je vous souhaite un bon abonnement et de souscrire à une bonne journée. Salut!